Et salut à toutes et à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez tous très bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on n'est toujours pas sur FIFA 16, j'attendais de recevoir FIFA 16 pour sur le jeu complet fini pour pouvoir vous faire une vidéo, mais il n'est pas encore arrivé, il va arriver demain je pense. En tout cas je l'ai précommandé, donc voilà, on va attendre, on va bien voir. Donc bref, on se retrouve encore sur l'appli web les gars. Donc je suis pas un grand fan de l'appli web, mais bon, en attendant, pour faire un peu d'achat-revente, quelques vidéos, c'est plutôt pratique, on va dire. Donc on va faire d'ailleurs aujourd'hui un tuto d'achat-revente, les gars. Donc une bonne technique que je fais depuis 2-3 jours. J'ai pas, honnêtement, je vais pas régulièrement sur l'appli, enfin, je vais pas beaucoup sur l'appli web. Pour l'instant, je suis à 10 000 en bénéfices transfert. Voilà, j'ai fait les 10 000 bénéfices transfert, je les ai fait en 2 jours avec cette technique. Parce qu'avant, j'avais pas grand-chose. Mais en tout cas, vraiment, c'est une technique qui marche, les gars, que j'ai découvert hier. Hier j'ai découvert ça et vraiment je tenais à vous la montrer parce qu'elle est vraiment très intéressante quand vous voulez démarrer l'achat-revente sur ce FUT 16. On se fait pas des 2000 de bénéfices sur chaque joueur, pardon, mais on peut se faire facilement des 200, 300, 400, 500, voire 600 crédits si vous êtes chanceux. Donc en tout cas, je vais vous expliquer la technique. Donc tout simplement, vous allez ici dans le marché des transferts. Donc pour ceux qui ont déjà le jeu sur la console, bah, c'est pareil, hein. Vous allez dans le marché des transferts, ça change pas. Ensuite vous mettez en prix minimum, vous mettez 650 crédits, et en prix maximum ici vous allez mettre 850 crédits. Voilà, le reste vous touchez pas, les prix d'achat immédiat vous y touchez pas, et là vous mettez or. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous faites recherche et vous allez à la page 5 ou 6. En gros, faut que vous voyez là le temps qui se défile, là vous voyez il reste 1 minute 3, il faut qu'il y ait au moins 3 minutes. Vous allez voir par la suite pourquoi. Donc on va aller là, je pense qu'on est à 3 minutes, 2 minutes 37, encore allez, une ou deux pages. Voilà, là les gars, on est à 3 minutes, et en fait on va chercher des joueurs hors rares qui peuvent être intéressants, et on va les ajouter aux objectifs des transferts, pour voir, par exemple, lui, peut-être qu'il a un bon prix, on va voir. On l'ajoute aux objectifs des transferts. De toute façon les gars, ça fait rien de faire ça, vous perdez pas de crédit. Donc voilà, ceux qui ont l'air intéressants, lui il a une très belle carte, hop, on l'ajoute. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Faut regarder les joueurs, voilà, qui ont des prix intéressants. Peut-être que lui ça peut marcher. Après je connais pas les prix de tous les joueurs cette année, mais je sais qu'il y en a qui marchent, notamment lui. Je sais, j'ai déjà fait plein de fois avec lui. Vous allez voir, je vais vous expliquer la technique après. Allez, on va prendre lui. Hop, voilà. Donc là on a déjà sélectionné 4-5 joueurs. Donc 5 joueurs qu'on a mis ici. Et on va aller les chercher sur le marché des transferts. Donc Amaya, je vais vous expliquer, vous allez voir. Donc on va taper, donc ça maintenant on s'en fiche du prix. Amaya. Et en fait les 3 minutes qu'on a mis en temps qu'il fallait, c'était quand même pour avoir le temps d'aller chercher le joueur. Donc on va regarder le prix qui coûte en achat immédiat le plus bas. 1200, 1100, 1000 plutôt tout à l'heure. Voilà. Donc le plus bas, il est où? 1000, voilà. Le plus bas est à 1000, donc l'objectif serait de le revendre à 950 pour qu'il parte directement. Donc, excusez-moi, on va prendre lui et on va faire une offre. Ouais, en gros, là, si on fait une offre, on pourrait se faire 150 crédits. Moi, je fais l'offre, mais c'est juste pour vous montrer la technique, ça sert à rien de le faire, limite. C'est juste pour vous présenter la technique. Donc, on va enchaîner avant que les temps s'écoulent avec Basta et Kuka. Hop. Donc, Basta, je découvre avec vous, j'ai jamais testé s'il marche ce joueur. Hop, alors en achat immédiat, le plus bas il y a... Ah ouais, 950... Ouais, non. Non, il vaut pas le coup. Il vaut pas le coup, les gars. On va le retirer, lui, il vaut pas le coup, vous voyez. Ensuite, on va essayer avec Kuka. Hop, faut que je me dépêche quand même pour pas qu'il expire. Tac. Voilà, donc on en a 1500 d'achat immédiat. Hop, hop. Ouais, le plus bas il y a 1500. Donc si je fais une offre là, donc c'est celui-là, ouais voilà. Si je fais une offre, non c'est pas le même. Hop, on va faire une offre les gars, vous allez voir après. L'objectif en gros, vu que le plus bas est à 1500 du marché, serait de le revendre lui à 1400 pour qu'il parte directement. Donc pour le revendre à 1400, pour se faire quand même quelques bénéfices, l'idéal ça serait de l'avoir en dessous de 1000 crédits si on peut. Donc on va essayer. Ensuite on va faire avec lui Schmeichel, je sais qu'il marche très très bien les gars, je l'ai déjà fait plein de fois. Le gardien de Leicester. Non, ça s'écrit pas comme ça. Voilà, il est là. Lui, il marche très bien. Lui, c'est une valeur sûre, vraiment. Par contre, on va mettre un prix maximum. Je sais pas, 1300, est-ce qu'il y en a? Il y en a 3. Ok, 1100. Donc, le but de lui serait de le rendre à 1000. Donc, l'idéal,
ça serait de l'avoir à, ouais, 850. Bon, encore une fois, c'est pour se faire des petits bénéfices. Je fais une offre, les gars, c'est pour vous montrer la technique. Et vraiment, elle marche très très bien cette technique, les gars. Je me suis fait déjà 10 000 crédits très rapidement. Donc, quelqu'un a surenchéri sur Kuka. Donc, il reste 35 secondes. Donc, je vais remettre quand même. L'objectif est de l'avoir à moins de 1000 si on pourrait, ça serait bien. Et le dernier joueur, c'est celui-là, Sergio Asenjo, qu'on a repéré tout à l'heure. Hop. Ça s'écrit pas comme ça, à mon avis. Attendez, je vais juste aller voir quand même Kuka, j'ai pas envie de le rater. Au pire, on va faire une offre directement à 1000, on va voir ce que ça donne. On a eu Amaya, ça c'est bien. On va trier ça après, vous allez voir. Pour l'instant, on a eu Amaya, on a Kuka, lui pour l'instant, là. On en a encore une 43 pour lui. Ouais, il a une. Ouais, 1700 l'offre pour l'instant. Asenjo, il a un beau petit prix. Pour l'instant, on a Kuka, les gars. Allez, faut pas que quelqu'un sur en série. 6 secondes. 4, 3, 2. Ok, nickel, les gars. On a eu Kuka, donc ça c'est bien. On va aller voir après. Et on finit avec Asenjo. Donc, on va aller voir son prix. Hop. C'est lui, voilà. Donc, son prix en achat immédiat, allez, je dirais 2500 par là. Non. Là, je connais pas trop son prix. Peut-être, allez, on va mettre 3100. Voilà. Hop, donc il y en a 2800, il y en a un. Donc, voilà, l'idéal, ce serait de le revendre à 2700 si on arrive à le choper. Donc, on va faire une offre là. On a encore beaucoup de marge. L'idéal, ce serait de l'avoir à. Voilà, si on le revend à 2700 pour qu'il parte directement, ça serait de l'avoir à. D'avoir, je dirais, je sais pas trop, quelqu'un a déjà surenchéri. Je sais pas, ouais, je vais juste faire une offre. Et on va pas plus haut, les gars, on va s'arrêter là pour les exemples de joueurs. En tout cas, j'espère que vous avez compris. Après, vous inquiétez pas, la vidéo est pas finie, on va les relister. Donc, en gros, je récapitule, vous allez sur le marché des transferts. Vous mettez ici 650, attends, hop, 650 ici. 850 ici, là vous mettez or, vous allez à 3 minutes des joueurs. Vous les ajoutez aux objectifs des transferts, ceux que vous pensez qui marchent. Et une fois que vous les avez ajoutés aux objectifs des transferts, vous allez. Donc voilà, lui on l'a pas, on va s'arrêter là. Vous allez dans le marché des transferts et vous le cherchez le joueur s'il vaut le coup. Donc là vous voyez qu'on en a eu 3. Donc plutôt pas mal. Amaya, Schmeichel et Kuka. Donc on va aller voir Amaya maintenant pour le relister. Donc hop, on fait ça en live les gars. Tac. On a vu qu'il n'y en avait pas beaucoup tout à l'heure. Alors, 1000 toujours. Ok. Donc le moins cher est à 1000. Donc on va le relister à 950 celui-là. Pour qu'il parte directement. Donc on va mettre 900 en prix de départ. Et 950 en prix d'achat immédiat. Donc je pense voilà sur la console PS3. Enfin perso je suis sur PS3. La technique marche aussi. Bon c'est juste que là je suis sur l'appli web parce que j'ai pas encore le jeu. Hop. Donc ensuite, donc voilà, vous voyez, Kuka, on sera fait avec Kuka, avec l'autre d'avant à Maya, on sera fait 100-150 crédits, mais c'est vraiment pour le fun, les gars, c'est pas pour celui-là, c'était pour vous montrer la technique. On va regarder Kuka maintenant. Hop, 1800 pour l'instant le moins cher, 1700, 1500, ok. Le moins cher est à 1500, les gars. Donc ça, là, on a fait un beau bénéfice parce qu'on l'a eu à 1000. Donc on va le relister à 1300, 1400 pour qu'il parte direct, juste en dessous de 1500. Voilà, on va se faire 400 crédits de bénéfice sur Kuka, c'est un beau petit bénéfice pour commencer. On a eu à 1000 et on le reliste à 1400, il va partir assez rapidement. Ne vous inquiétez pas, les joueurs partent vraiment bien. Et Schmeichel qui lui marche très 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 bien. C'est pour l'instant le joueur que j'arrive le mieux à vendre. Comment ça s'écrit? J'ai oublié le M, voilà. On va mettre pareil que tout à l'heure, 1300 maximum. Alors, il y en a 3, 1200, 1000, ok, 1000. Il est un peu moins cher que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai réussi à en revendre à 1400, mais bon. Lui est le moins cher à 1000, donc on va. Celui-là, là, qu'on a eu, on va le lister à 900, 950, comme un Maya. Pareil, là, on va se faire quasiment aucun bénéfice, hein, 100, 100 de bénéfice. Mais c'est pour juste vous montrer la technique, les gars. Je vais vous prouver que les bénéfices sont très gros, ce que vous voyez déjà tout à l'heure. Voilà, j'en ai déjà vendu 4 de la liste d'avant. Donc non ça c'est pas la ça c'est pas la technique, on va lui on l'élimine. Voilà donc ces trois là, Olich, Dost et voilà Olich je l'avais eu à Dost pardon je l'avais eu à 1200, non 1100 je l'avais eu Dost. Olich je l'avais eu à moins de 1000 et lui je voyais que je l'avais eu à 750 je crois tout à l'heure. Donc voilà déjà des beaux petits bénéfices, ensuite vous occupez pas de ces joueurs là, c'est une autre technique que je teste. En tout cas vraiment cette technique marche très très bien, vous voyez là on a eu les deux qu'on a eu aujourd'hui, enfin les trois plus Amaya.
durant la vidéo. Quand ils vont partir, on sera fait 1000, un peu plus, beaucoup plus, plus que 1000 crédits en tout cas. Donc c'est plutôt sympa comme technique. Après voilà, quand vous voulez vous faire des gros bénéfices, vous pouvez en faire d'autres. Mais pour commencer vraiment, c'est bien ça. Pour se faire, allez, je dirais 50 000 crédits, c'est vraiment nickel. Pour pouvoir se commencer à se bâtir des petites équipes sympas pour le début de fut. Donc voilà, vous voyez, pour l'instant, 10 000 crédits en bénéfices transfert plutôt rapidement. Donc voilà, vous voyez, on a déjà vendu un Schmeichel, les gars. Donc c'est celui-là. On l'a déjà vendu, vous voyez que ça part très très bien, parce que c'était le moins cher du marché, donc ça part vite. Donc nickel, voilà, vous voyez, 950, il est revendu déjà, hop, voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on s'est pas fait de gros bénéfices sur celui-là, mais c'était pour montrer la technique. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera sans doute sur le jeu, enfin sur la console. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Elias. Adios. Bam, bam, bam.